Vous êtes sur le territoire de Polde, Paris-Ouest La Défense. Nous sommes sur Polde, Paris-Ouest La Défense, qui est le territoire qui regroupe 11 communes, dont le Valois, dont Nanterre et plutôt qui, sur les territoires desquels se trouve La Défense. Et donc Polde, à l'inverse de tout ce qu'on a entendu depuis le début de la matinée, c'est au contraire une mégalopole. C'est 568 000 habitants à peu près sur 11 communes. Et le Valois, là-dedans, c'est une ville un petit peu à part encore, puisque le Valois, avec 65 000 habitants sur 2,4 km², est la ville la plus dense d'Europe, avec à peu près 28 000 habitants au kilomètre carré. Donc ça va changer totalement de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Alors, le Valois fait partie des villes et villages internet depuis 2014, et en 2014, lors de sa première participation au concours, le Valois a obtenu 4 arrobases. Très bien, à partir de 2015, et depuis 2015, nous avons la chance d'avoir ces 5 arrobases. Et cette distinction, cette longévité, même dans la distinction, ce n'est pas un hasard. Comme le disait le président Evenot ce matin, vous parliez, président, d'intuition. Et je crois que cette distinction et cette longévité dans la distinction, c'est à la fois le fruit d'une stratégie numérique qui a été initiée bien avant 2014-2015 à Levallois, et le résultat de quelques intuitions gagnantes de notre maire, Patrick Balkany, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, intuition qu'il a eue depuis sa première élection en 1983. Alors si vous le voulez bien, on va revenir un petit peu en arrière. À la fin des années 80, la ville de Levallois avait son informatique gérée par un syndicat intercommunal, et le maire était totalement insatisfait du service qui était rendu par ce syndicat à la ville et aux agents de la ville. Il a donc décidé d'internaliser l'informatique, et à partir de ce moment-là, la ville a développé, pour ses services municipaux, des applications métiers créées sur mesure et qui répondaient exactement aux besoins des administrés et aux besoins des agents municipaux. À la fin des années 90, c'est le début du développement grand public d'Internet, et Levallois a pris immédiatement le virage de cette technologie et a été parmi les premières grandes villes françaises à proposer un site Internet complet et dans le même temps à introduire au sein de l'administration municipale une messagerie pour tous les agents municipaux, tous les agents bien entendu, excepté les jardiniers et ces gens-là qui n'ont pas de poste de travail fixe. Mais il est vraisemblable que la principale intuition gagnante de notre maire a été de percevoir à la fin des années 90 le potentiel de la fibre optique face aux autres moyens de transport de l'information. Il a lancé un défi à ce moment-là au service informatique et au service technique de la ville, qui était de déployer un réseau municipal de fibres optiques. La densité de la ville, donc je vous rappelle, à peu près 28 000 habitants au kilomètre carré sur 2,5 km², offre un contexte optimal, d'autant plus que nous avons des égouts visitables pour un tel chantier. Et c'est ainsi que les premiers raccordements à la fibre optique dans le Valois ont eu lieu en 1999, à la fin de l'année 99, ce qui a suscité la stupéfaction de pas mal de gens à l'époque et parfois l'ironie de certains dans la ville et dans le département. Cette fibre est devenue le support principal du réseau de vidéoprotection, le support de toute l'informatique entre les différents sites municipaux. Et aujourd'hui, toutes les ressources sont centralisées via un réseau en étoile, dont le centre est l'hôtel de ville. Aujourd'hui, 99,9% des habitants de Levallois ont un accès au très haut débit, avec un accès potentiel supérieur à 100 mégabits par seconde. Or, vous l'aurez compris, le développement numérique à Levallois, ce n'est pas simplement un effet de mode, ce n'est pas simplement un effet d'annonce, c'est un sujet primordial pour la ville, qui en a fait un atout pour son attractivité, à la fois vis-à-vis de la population et vis-à-vis des entreprises. Or, si le centre du réseau numérique de Levallois est physiquement à l'hôtel de ville, le cœur de la stratégie, elle, de la stratégie numérique de la ville, se situe dans les écoles. Au milieu des années 2000, la ville a lancé de nombreux chantiers numériques dans les écoles. C'est d'abord le déploiement progressif du Wi-Fi dans tous les établissements scolaires, un déploiement qui sera terminé dès mars 2007, puis l'installation de tableaux numériques interactifs dans les classes primaires, au fur et à mesure de la demande des enseignants, lesquels, et là c'est nécessaire, suivent une formation spécifique à l'utilisation de ces matériels.
Et c'est également la mise en place de classes mobiles informatiques qui se caractérisent par l'utilisation de petits chariots d'ordinateurs portables qui passent de classe en classe au fur et à mesure, au gré des besoins des différents enseignants. Bien entendu, qui dit outils technologiques dit panne et problème potentiel. Vous savez tous que les réseaux, ça peut tomber en panne, que les ordinateurs, ça tombe en panne. Et donc, pour remédier à ça, depuis 2006, à Levallois, nous avons dédié de manière exclusive un technicien de l'équipe informatique, un technicien municipal, au service des écoles. Là encore, on souhaite rester avec un service municipal et ne pas externaliser. Mais l'innovation et le numérique dans les écoles de Levallois ne se limitent pas au matériel éducatif. Ainsi, l'installation de bornes numériques à l'entrée de toutes les écoles permet aux enfants, grâce à une carte nominative et à des pictogrammes ludiques sur les bornes, de confirmer leur présence aux différentes activités de la journée, que ce soit au restaurant scolaire, que ce soit au centre de loisirs, aux études dirigées, par exemple. Et du même coup, ça permet aux parents d'être facturés à la présence réelle et non plus à la présence théorique de leurs enfants. La municipalité ayant commencé très tôt à introduire les technologies numériques dans les écoles, il va de soi que la direction numérique de la ville se doit de suivre au plus près les évolutions techniques et technologiques. Cette année, en 2019, nous boosterons un peu plus la puissance du réseau Wi-Fi installé dans tous les établissements scolaires. Nous allons renouveler également une partie du matériel informatique fixe des enseignants. Et bien entendu, la refonte du réseau informatique des écoles et l'accompagnement des élèves et des professeurs dans les changements que ces nouveautés induiront sont parmi les priorités que nous avons données à la direction de l'informatique. Mais le point d'orgue de cette politique numérique destinée aux écoles, c'est la mise en place, depuis septembre dernier, d'une classe numérique témoin que nous avons appelée la classe 5.0 dans notre école primaire Buffon. Cette classe est dotée de matériel innovant, de mobilier adapté à l'utilisation accrue du numérique dans l'enseignement. Cette innovation a été développée avec les enfants de la classe, de la classe témoin, c'est-à-dire c'est une classe de CM1. Ce sont les élèves de CM1 de l'an dernier qui sont aujourd'hui en CM2 aujourd'hui et qui ont dessiné, qui ont organisé la classe telle qu'ils le voulaient, avec du matériel qui bouge, du matériel qui n'est plus fixe, du matériel qui peut s'adapter aux différents éléments de travail qu'ils vont être amenés à faire. Et c'est également quelque chose qui a été développé en collaboration avec l'inspectrice de l'éducation nationale de Levallois et tous les conseillers pédagogiques numériques du rectorat et de la direction académique des Hauts-de-Seine. Bien entendu, c'est un succès, les enfants en redemandent, les enseignants en redemandent, et à partir de cette année, ou tout au moins de la rentrée prochaine, la rentrée 2019-2020, nous allons aménager plusieurs nouvelles classes, et nous fournirons aux écoles plusieurs centaines de tablettes tactiles qui sont managées à distance. Une minute. Une minute. Une minute trente. Formidable. Bon, la stratégie numérique de Levallois ne s'arrête pas aux écoles. La simplification administrative en est également une composante importante. En 2007, la direction informatique municipale lançait le plus ample et le plus ambitieux de ses projets, la simplification par la numérisation des démarches des Levalloisiens aux inscriptions municipales. Toutes les bases de données famille des différents services municipaux sont fusionnées pour créer une base unique de données. Nous appelons le portail famille, un outil fondé sur la base d'un logiciel qui existait déjà dans la ville. Le calendrier et le mode opératoire des inscriptions à toutes les activités des enfants, mais aussi des activités des adultes, sont entièrement repensés. Et en 3 ans, la procédure deviendra totalement numérique pour l'ensemble des activités. Et depuis lors, chaque année, des améliorations sont apportées. Parallèlement, la ville a créé une régie municipale destinée à gérer les fonctions de facturation, d'encaissement et de comptabilisation des règlements, avec une facturation unique pour l'ensemble des prestations proposées aux Levalloisiens, telles qu'elles soient municipales ou associatives. Aujourd'hui, on a à peu près 95% des présinscriptions qui sont réalisées en ligne. Et en 2017, l'accent a été mis sur l'e-mailing pour diminuer drastiquement les courriers et les autres procédures papier, telles que l'actualisation des revenus ou les inscriptions scolaires. Le dernier exemple en date de cette constante simplification numérique remonte seulement à quelques jours, puisque depuis janvier 2019, nous avons simplifié le processus de déclaration des ressources qui permet d'actualiser le quotient familial municipal et de calculer la participation aux activités auxquelles participent les enfants et les adultes de Levallois. Néanmoins, nous n'oublions pas que certains de nos administrés ont du mal avec les nouvelles technologies. C'est pour cette raison que nous avons également mis en place des cours de bureautique destinés à faciliter l'accès à ces nouvelles technologies, à tous ceux qui en ont besoin.
Toujours dans cet esprit de simplification administrative, Levallois était parmi les premières villes des Hauts-de-Seine à mettre en place la dématérialisation des flux comptables voulus par l'État dès 2015. Et elle est également une des villes du département à pratiquer la dématérialisation des procédures de marché public de bout en bout depuis 2017-2018. Enfin, la simplification administrative liée à l'innovation numérique permet aussi de générer des gains économiques, c'est certain, mais également des gains écologiques ou environnementaux. Donc je vais vous donner quelques exemples. Depuis 2015, les séances du conseil municipal sont entièrement dématérialisées. Depuis 2017, des parapheurs numériques assurent les circuits de bons de commande et depuis 2018, les circuits des courriers. Et enfin, en 2018 également, les outils de verbalisation électronique ont été totalement renouvelés. Toutes ces innovations numériques nous ont permis de réduire drastiquement les coûts de consommation de papier dans les services municipaux. Alors certes, une économie financière, c'est certain, mais également une économie écologique et environnementale, et on voit bien que là, le numérique contribue aussi à la sauvegarde de l'environnement. Alors, comme elle l'a toujours été depuis les années 80, Levallois veut continuer dans les années qui viennent être précurseur dans le domaine du numérique et de l'innovation, des technologies de l'information. Ceci passe par une veille technologique régulière de notre direction des systèmes d'information, par un travail régulier d'amélioration de nos outils existants. Mais ce sera aussi, et peut-être surtout par la collaboration avec de jeunes start-up que nous pourrons ouvrir de nouveaux chantiers, nous devons être à même de proposer aux Levalloisiens des solutions innovantes dans des domaines aussi différents, entre autres pistes, que le stationnement et le déplacement, c'est ce qui est un sujet hautement sensible dans une ville aussi dense que la nôtre, la sécurité des personnes ou la consommation énergétique de nos bâtiments publics. Au-delà des effets d'annonce du déploiement de telle ou telle application, Levallois souhaite entamer concrètement la phase de la Smart City qui dessine la ville connectée de demain, plus ouverte, plus collaborative et plus attentive à son environnement et à sa population, en combinant diverses technologies pour ouvrir une meilleure qualité de vie aux Levalloisiens. Il n'est pas question, bien sûr, de remplacer l'administration municipale par des machines ou des robots. Nous ne sommes pas dans un monde déshumanisé tel que nous le proposent de nombreux films d'anticipation. Il s'agit d'offrir à nos concitoyens un accueil à la fois physique et digital, de qualité, alliant l'échange et les relations humaines à l'efficacité des nouvelles technologies.